Allô, salut à tout le monde, bienvenue dans cette semaine et aussi dans notre édition de ce matin. Je suis Laure Serge, donc Laure, L-E-I-A-I-S-U-R-G-E. Je vous viens aujourd'hui avec des nouveautés. On n'a pas eu le temps d'enregistrer la semaine passée. On avait tellement de surprises. Il y a Pasteur Moïse Mbillé qui est acquitté de ses, qu'on appelle ça, de son dossier de viol. Et il y a Tata Po qui s'était déchaînée il y a de cela 2 jours passés. On a aussi pas d'autres, pas beaucoup vraiment, hein, pas beaucoup de nouvelles hein, depuis que la semaine a commencé. Et nous avons aussi remarqué que la première dame était allée à Matadi, donc au Congo central. Elle avait été reçue par la fondation de Madame Amida Chature Kamere. Beaucoup des internautes se posent et se disent que non, Amida est vraiment, a vraiment un grand esprit parce que c'est vraiment pas facile d'être bon avec des gens qui te font du mal ou peut-être qui t'a trahi. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire de n'importe quoi, mais il faut se comprendre que ils ont été très attachés, ils ont été des amis. Donc tout ce qui était arrivé, de la manière dont ça arrivait, ça ne devrait pas être ainsi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut commencer avec Pasteur Moïse Mbillé. Nous avions été tous affectés par le problème qui était entre lui et Eliane Bafemo, qu'il avait accusé de viol au moment où elle était déjà majeure. Et faute de preuves comme la lettre du juge a prononcé, qu'ils ne peuvent pas continuer avec ces dossiers parce que cela fait plus de, je dirais, 8 mois, hein, 8 ou 9 mois. Et ils n'ont jamais reçu la preuve. Donc, le pasteur, donc le jeune homme, Pasteur Moïse Mbillé est acquitté de cette, je dirais, hallucination d'une personne ou complot de ces personnes qui voulaient son mal, qui voulaient ternir son image dans le public parce que le Messie ne voulait pas mal. Donc, ils ont vraiment essayé de lui détruire. Or que nous oublions que certaines sont comme de graines, quand vous essayez de les enterrer, vous leur facilitez vraiment la vie. Yes, il a parlé de son album Triomphe et aujourd'hui Dieu lui a triomphé devant tout le monde. Et l'église du Seigneur sont dans la joie parce que l'un d'eux a été acquitté. Et nous aussi, qui ne voulions pas que des choses se déroulent ainsi, nous sommes aussi très contentes que notre artiste, celui qui défend très bien le drapeau du Congo dans la musique gospel, est acquitté. Donc le reste est l'avenir et il a lancé même un message fort pour l'unité, donc de ne pas diviser le Congo. Vous allez suivre la chanson juste après ce que je veux dire ce matin. Nous avons aussi parlé de quelques jours ici l'histoire de Lady Sonia et la dame en Suisse et avait Tata Po qui avait fait l'intermédiaire afin de faire passer le message de la femme dans le public. Et après, on a vu notre vieux père Marcos s'éclater. Pourquoi? Bon, nous savons Marcos aime analyser. Hein? Moi, je l'appelle vieux père parce que c'est un père pour moi. Donc, il a analysé les choses et il a pas pris la place d'une personne, mais dis-moi, il a évoqué quelque chose que nous ignorons aussi. Donc, qui est le non-remboursement quand le contrat est déjà consommé et que la date prévue a été passée. Donc, il a prôné pour le professionnalisme, ce que nous avons aussi fait. Et madame, en Suisse, a porté plainte
L'Edisonia amonce. Et ce maintenant, Tata Pokiresku nous revient. Tout furieux, elle s'éclatait. Je n'ai jamais vu Tata Po s'énerver de la sorte. Yes, je n'ai jamais vu Tata Po s'énerver de la sorte. Beaucoup qui ne connaissent pas Tata Po. Tata Po n'est pas mauvaise. Tata Po, elle est juste comme Wendy Williams. Ceux qui sont en Amérique ou peut-être dans le milieu francophone, ils vous diront que Wendy Williams, c'est une femme qui parle beaucoup de ce qui buzz. Elle n'est pas forcément mauvaise, non. Elle est juste là, comme on les appelle en anglais, entertainer. Donc, elle est là pour nous divertir, dans une animatrice qui rapporte tout ce qu'on les amène comme étant nouvelle et il est le partage partout dans le monde entier. Et je dirais qu'on ne peut pas tenir rigueur de toutes les personnes qui font leur travail sur Internet parce que il y a d'autres personnes qui travaillent, d'autres qui travaillent sur Internet. Donc, c'est une manière de se faire aussi de l'argent, mais aussi d'informer aussi le public. Moi, je pense que les gens comme Tata Poss, s'ils sont là, même nous autres là, on doit bien se comporter parce qu'on le sait très bien. Si on ne se comporte pas bien, elle risquerait de cracher sur nous, ce qui n'est pas aussi mal. Pour moi, je ne verrais pas ça mal. Pourquoi? Parce qu'elle fait son travail. Nous tous, on ne peut pas penser de la même manière, agir de la même manière, réfléchir de la même manière. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas le faire vraiment. Donc, je le vis très énervé. Ce que je dirais à Tata Po, je t'aime. Je t'aime. Donc, il ne faut même pas que tu te laisses emporter par ces personnes qui veulent ton mal. Calm down, parce que tu étais vraiment monté auprès même de vouloir montrer les choses que tu as. Je dirais, n'importe quelle impression, ne montre jamais ta vie, ta maison, ta voiture et tout sur Internet. Parce que, comme on dit toujours, la jalousie a un léger sommeil. Donc, quand tu es en train d'exposer, de t'énerver, vraiment, et des limites pour ne pas déborder et en vouloir commencer à montrer aux gens ce que tu es réellement. Moi, j'avais trouvé le propos que Tata Po est laide. J'avais trouvé ça très, trop bas et trop mauvaise. Pourquoi? Tata Po est belle. Comme elle avait dit, ou comme nous le constatons tous, elle n'a pas de problème avec son nez et sa morphologie n'est pas aussi mal. Donc, si peut-être je dois comparer entre Tata Po et Lady Sonia, je dirais que Tata Po est plus belle que Lady Sonia. Mais la différence en est que Lady Sonia sait comment s'entretenir. Elle sait comment se masquiller, elle sait comment c'est vraiment voilà, valoriser ses atouts. Donc, ce qui fait d'elle d'être classe, plus propre et non plus belle que Tata Po. Vraiment, ça, c'est ce que mes yeux ont vu là. Donc, si mes yeux ont un problème, essayez de me demander ou de m'envoyer chez un morphologue pour qu'il puisse me traiter les yeux. Tata Po est belle. Même si elle est grosse, elle a des poitrines bombées, ça ne change rien. Moi, pour moi, je dis que Tata Po est belle. Elle n'est pas laide comme vous voulez la coller. Yes, elle n'est pas peut-être trop classique. Là, je peux l'en parler avec elle. Pour upgrade, my sister, yes. Pour upgrade, mais elle n'est pas belle, elle n'est pas moche. Donc, Lady Sonia n'est pas belle plus que Tata Po. Tata Po aussi, elle n'est pas la plus belle parmi les youtubeuses, mais je pense que chacun a son atout, chacun a ses charmes. On ne devrait pas tomber dans ces débats trop bas. De se comparer dans la beauté au moment où nous savons, il y a des femmes comme Hamida Shatir qui est belle, qui a une belle taille, qui a une belle peau, qui a des beaux cheveux. Donc, si vraiment c'est de la beauté là sur Internet ou sur YouTube, vraiment, 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 épargnez-nous, 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 épargnez-nous. Laissez les Tabou Fatou, laissez les Hamida Shatir, laissez les Molières, Bernadette Molière, laissez les Soleil Ngonga. C'est débattre de la beauté, mais nous là, vraiment, il faut qu'on se taise. Vraiment, je voulais suivre le morceau que Pasteur Moïse Mbille a lancé dans son concert de Life Room
que nous dédions ce soir. Donc, soyez bénis et suivez le conseil après. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dans ces pages, abonnez-vous dans ces vidéos et vous aurez beaucoup, 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 beaucoup de messages dans l'avenir. Bisous, bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Na belle na kayo yonde lisi bango loué kombo mosusu ezalite kaka kombo na Yesu yango ba pesa na Congo tika na belle la lelo Jésus. Beba na maloba na bango balingi ba kabola Congo na sala losambo bazanga kimia e balonga Congo te na makita na bango ba échoué. Bazoua misala, bakende basonga, commerce et simba, mon bongo et simba, bazoignon sobalini, babala babota, santé à malamwe, hôpital à malamwe, de cotolo à malamwe, bavoka ya solo, le sambo nabiso, oyo ya boutou na moye, bona congo na ngaye, bongo la lola yé. Si ya Tanganyika bona kuivo ya Katanga mafuta ya bandundu toko meta kolo e toko na kauzi meta toko meta kolo e toko meta kolo e toko na kauzi meta biega yama e kozonga toko sika mawe pour le Congo. Nassamba la Kanzambe, abatte la libota, la keibokila,
na forêt Pretoria, pona bana balia, basakana na zelo, mbako sokola, na chita ya wagenya, tokomi na pokwa, otika na beta fomeo, ilingi ya kinye, babuka na kateo, Kongo. Yo yo, mwana ya mama ukukabule Kongo. Kongo, na kasai, na lakwe mukamba, diama ya miba ukabula Kongo. Katanga, mon bondage camine, maman mina lia ou chikaboule Kongo.